Pointe-Noire a désormais son marché spécial de vente d'ananas en gros. Situé au fond de Tiétié sur le prolongement de l'avenue bordant l'école Ndakasusu, cet espace approvisionne les commerçants de détail en fruits d'ananas provenant du village de Nkomi dans le département du Kwilu. C'est le marché de groupement, donc c'est le groupement de Nkomi qui font l'agriculture. L'idée est venue de quoi? L'idée est venue de parce que c'est les difficultés que nous avons constatées et nous avons pensé pour sortir de cette difficulté, il fallait exposer nos produits afin que nous soyons connus par l'agriculture. C'est un message, nous avons fait ça pour nous faire voir et nous faire connaître. Quelle quantité pourrait-on exposer par jour dans ce nouveau marché? En tout cas, difficile d'en évaluer, mais à en croire le secrétaire général de la coopérative des producteurs, ce lundi matin, plus d'une quinzaine de véhicules ont déchargé leur cargaison dans ce nouvel espace. Et cela se poursuivra tous les jours ouvrables de la semaine. Il a ajouté que... Donc moi je suis grossiste, je fournis. Toi tu prends ton produit, tu vas vendre ailleurs. Les transporteurs qui bénéficient de cette opportunité grâce à la production de l'ananas en Nkomi se plaignent de l'état de la piste agricole qui permet d'évacuer la production. Donc nous les transporteurs, on a des difficultés telles que la population du village, ils ont la volonté de travailler. Mais pour faire ressortir la marchandise, on a des difficultés. Il y a des véhicules, pour arriver là-bas, c'est des problèmes. C'est la voie, surtout la voie, nous emmerde. Vraiment, on demande aux chefs, aux autorités, de nous aider. Le PA, c'est normal. Mais le Covid-19, les autres taxes là, vraiment, on souffre. Quant aux consommateurs, ils ont loué cette initiative. C'est une bonne idée. Vraiment, je suis content de voir une surprise comme ça là. Parce que c'était pas comme d'habitude ici, là, c'était ouais, l'autre là, à Kisoko, mais là je suis même venu voir une surprise. Donc je suis très content de voir une surprise comme ça. Signalons que les dispositions relatives à la pérennisation et à la propriété de ce marché ont été prises par les initiateurs du projet.